Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Midi au Caire, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre à travers laquelle on essaie de vous présenter presque les grandes actualités qui ont pris place sur la scène égyptienne durant les derniers jours. Nous allons être ensemble très très vite, mais après cette petite pause. Donc, pour commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien, j'ai une nouvelle concernant la République arabe d'Égypte qui a publié dans un communiqué proposé par le ministère des Affaires étrangères le 27 août 2024 concernant le fait d'exprimer ses sincères condoléances à la République sœur du Soudan pour l'effondrement du barrage à Rabat, dans l'état de la mer Rouge au nord-ouest du pays, qui a fait des dizaines de victimes et de blessés, de disparus, et quand même des déplacés, des centaines de milliers de personnes à la suite des inondations causées par l'effondrement du barrage. Le gouvernement, le peuple égyptien présentent leurs sincères condoléances au gouvernement, le peuple de la République sœur du Soudan, ainsi qu'aux familles des victimes de cet incident tragique, et souhaitent aux blessés un prompt rétablissement et aux disparus d'être rapidement retrouvés. L'Égypte a souligné son entière solidarité avec les frères soudanais pour faire face aux répercussions de l'incident et sa volonté de fournir toutes les formes de soutien pour surmonter cette épreuve. D'autre part, on trouve que le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a reçu le premier ministre irakien Mohammad Shia al-Soudani, bien sûr selon le porte-parole officiel de la présidence, le conseiller Ahmad Fahmi. L'entretien du président avec le premier ministre a porté sur l'appréciation du niveau particulier des relations égypto-irakiennes, relations qui bien sûr basées sur la fraternité, mais aussi l'amitié entre les deux côtés. Les explications tout de suite dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah al-Sissi a reçu le premier ministre irakien Mohammad Shia al-Soudani, a-t-on appris du porte-parole officiel de la présidence, le conseiller Ahmad Fahmi. Le premier ministre irakien, qui était en visite en Égypte à la tête d'une délégation officielle de haut niveau, regroupant le ministre des Affaires étrangères, le ministre du Commerce et plusieurs hauts responsables. L'entretien du président avec le premier ministre irakien a porté sur l'appréciation du niveau particulier des relations entre l'Égypte et l'Irak, relations historiques axées sur des bases de fraternité et d'amitié. Au cours des discussions, le président al-Sissi a affirmé le soutien de l'Égypte à l'unité de l'Irak, sa suprématie et la sécurité de ses territoires. L'Égypte soutient également les efforts visant à réaliser la stabilité, la sécurité et le développement en Irak, a précisé al-Sissi. Les discussions ont souligné une convergence de vues entre les deux dirigeants concernant le fait que la conjoncture régionale exige d'intensifier l'action arabe commune. Le président al-Sissi et le premier ministre irakien ont, dans ce contexte, fait allusion au mécanisme de coopération tripartite entre l'Égypte, l'Irak et la Jordanie, tout en poursuivant les efforts visant à réaliser les objectifs de cette coopération. L'entretien a par ailleurs porté sur la coopération bilatérale, notamment les efforts visant à booster les investissements. La conversation a porté également sur la collaboration dans les domaines de l'infrastructure, du développement urbain, du tourisme, du transport et de l'énergie, dans le but d'exploiter au maximum les potentiels des deux pays. Pour ce qui est de la conjoncture régionale, il y a eu un échange de points de vue concernant les moyens de trouver une issue aux crises auxquelles la région est confrontée. Les deux bords ont jugé nécessaire une pression de la part de la communauté internationale pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza, tout en insistant sur l'importance de mettre terme à la situation humaine tragique dans l'enclave. Le président et le premier ministre irakien ont affirmé la nécessité d'un processus politique sérieux pour que le peuple palestinien récupère son droit légitime en un État indépendant créé sur les frontières de 1967 et ayant pour capitale Jérusalem-Est. Le Premier ministre Dr Mustapha Madbouly a annoncé l'élaboration d'une loi sur les centres financiers d'affaires s'inscrivant dans les efforts visant à formuler
un système juridique avancé capable de créer des zones financières et d'affaires en conformité avec la vision de l'État qui accorde une importance à l'établissement d'une zone financière et d'affaires ou plusieurs pour être classé mondialement en tête des zones similaires opérant en Afrique mais aussi opérant au niveau du Moyen-Orient. Les détails dans ce commentaire. Le Premier ministre Moustapha Madbouly a annoncé l'élaboration d'une loi sur les centres financiers et d'affaires, s'inscrivant dans les efforts visant à formuler un système juridique avancé capable de créer des zones financières et d'affaires en conformité avec la vision de l'État qui accorde une importance à l'établissement d'une zone financière et d'affaires ou plusieurs pour être classées mondialement en tête des zones similaires opérant en Afrique et au Moyen-Orient. Le chef du gouvernement s'est exprimé lors d'une réunion au siège du gouvernement dans la nouvelle ville d'El Alamein pour discuter de l'avant-projet de loi régissant le travail des zones financières et d'affaires en présence du gouverneur de la Banque centrale d'Égypte, Hassan Abdallah, dont nombre de ministres et de responsables concernés. Selon lui, la réunion a pour objectif de discuter de ce projet de loi sur la fondation et le système de travail des centres financiers et d'affaires, notant que plusieurs avant-projets de cette loi avaient été effectivement élaborés et que ces clauses étaient en débat afin de parvenir à une formule contribuant à réaliser les objectifs de l'État pour attirer des investissements. La présence d'un système juridique spécial régissant les zones financières et d'affaires est de nature à contribuer à l'attraction davantage d'investissements locaux et étrangers. Ce système, présentant davantage de facilités et protégeant les droits de propriété de tous les clients, a-t-il détaillé. Lors de la réunion, une allusion a été faite aux zones centrales financières et d'affaires, qui sont une sorte de concentration organisée pour les activités financières et commerciales, ayant pour objectif de favoriser une atmosphère qui couvre les entreprises, institutions financières pour la gestion des fonds et investissements et qui facilite le commerce mondial. Le ministère égyptien du pétrole et des ressources minérales a récemment lancé une nouvelle offre, plutôt un nouvel appel d'offres mondial pour 2024 par l'intermédiaire de l'Egyptian Natural Gas Holding Company EGAS. Cet appel d'offres vise à explorer le gaz naturel et le pétrole brut dans 12 secteurs à travers la mer méditerranéenne et le delta du Nil, couvrant 10 secteurs marins et 2 secteurs terrestres. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère visant à attirer de nouveaux investissements en Égypte en tirant parti des possibilités offertes par l'exploration du gaz et du pétrole. Karim Badawi a dévoilé un nouveau programme d'incitation destiné à stimuler la production de pétrole brut et de gaz naturel, soulignant l'engagement du secteur à favoriser un environnement d'investissement favorable et à encourager les partenaires à accroître leurs investissements. En fait, on trouve que le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouly, a publié un décret reconduisant Ahmad Achir, la présidence de la bourse égyptienne EJX, et Heba Serafi, la vice-présidente, pour un mandat d'un an à compter du 26 août. M. Achir a été nommé président de l'EJX le 23 août 2023. Lors de son premier mandat, l'EJX a lancé sa plateforme de dialogue boursier sur son portail en ligne. En outre, elle a franchi des étapes vers le lancement du marché panafricain du carbone volontaire sous la présidence de M. Chir. En outre, en juin, l'EJX a annoncé le lancement de l'indice conforme à la charia EJX 33 avec 33 sociétés sous la supervision d'Al-Azhar. Quant à la ministre de la Coopération internationale du Plan du développement économique, Rania Al-Mashat, elle a conduit le dialogue de haut niveau sur les politiques avec le gouvernement et les institutions du Japon. Le dialogue qui intervient au 70e anniversaire de relations bilatérales égypto-japonaises a regroupé l'ambassadeur japonais en Caire, Oka Hiroshiyu, directeur exécutif du bureau de la JICA en Égypte, Kato Ken,
Le représentant du bureau de la Banque du Japon pour la japonaise GBIC au Proche-Orient, Kiya Tamura Kinshiro. Au cours de la réunion, Mme El-Machat a passé en revue les cadres de la coopération avec le Japon tout en affirmant la nécessité de renforcer le partenariat stratégique des deux pays. Le mufti de la République et secrétaire général des institutions de la fatwa dans le monde, Nazir Ayad, a fait un entretien avec le vice-président du conseil suédois de la fatwa, Hassan Moussa, concernant le renforcement de la coopération entre les deux bords. Monsieur Ayad a affirmé que Dar el-Ifta était totalement prêt à coopérer de manière fructueuse avec les dix conseils, soulignant l'importance d'apporter un soutien scientifique et religieux aux communautés musulmanes en Suède. Le responsable suédois a pour sa part indiqué que les musulmans de Suède avaient impérieusement besoin du soutien d'Al-Azhar et de Dar el-Ifta, étant des références modérées et accréditées. Le programme d'Al-Azhar contribuait à réaliser la stabilité et l'équilibre des musulmans de Suède, a-t-il ajouté, confirmant la volonté du conseil de la fatwa de profiter de l'expérience de Dar el-Ifta. Clôturons donc cette édition par cette nouvelle sanitaire. Avec plus de précision, le vice-premier ministre pour le développement humain, également ministre de la Santé et de la Population, Dr Khaled Abdelghafar, a reçu mardi le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, en Égypte, M. Alessandro Fracassetti, avec qui il a examiné la coopération conjointe dans le secteur de la santé. Monsieur le ministre a insisté sur l'importance de développer les mécanismes de coopération dans tous les domaines médicaux afin de mettre en œuvre les axes de la stratégie de plan d'action commun avec qualité et efficacité, contribuant ainsi au soutien de la santé publique. La réunion a également examiné la situation actuelle des programmes et des plans de coopération entre les deux parties, les visions et les plans futurs, et à réviser les plans exécutifs du programme de déficit immunitaire chez l'être humain. Et bien sûr, les deux côtés ont discuté des dons soutenant les programmes nationaux de lutte contre cette maladie, ainsi que la tuberculose. C'est ce qu'a rapporté Houssam Abdelrafar, le porte-parole du ministère de la Santé et de la Population. Il a de même ajouté que l'entretien avait également abordé une révision du programme de gestion des déchets sanitaires du complexe médical de Suez, ainsi que les moyens de soutien technique en matière de radiologie. Donc, avec cette dernière nouvelle concernant la santé en Égypte, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.